Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Projet Zomboïde. Alors, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc, dans le dernier épisode, on avait commencé à aller un petit peu visiter la partie extension de Westmount. Et on était tombé sur ce petit magasin d'électroménager. Très sympa. Où il y a plein de choses quand même bon à démonter. Et on s'est aperçu qu'à côté, il y avait encore plein de boutiques. Donc ben, on va aller visiter ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez. Là, Sarah. 19h30. Va falloir penser à aller dormir. Mais elle commence à avoir soif. Hein. Donc, on va aller voir dans le restaurant à côté. On peut passer par derrière, peut-être plus discret. Oui, nickel. Allez. On se met quand même en sécurité. Allez, parfait. Bien, là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite réserve. Sac de pommes de terre pourries. C'est pas mal pour le compost, ça. Ça entend une espèce de grognement. Du café. Mais tout ça, c'est pourri. Maintenant, Sarah sait très bien que chaque fois qu'elle ouvrira un frigo ou un congélateur, elle trouvera que du pourri. Mais ça la dérange pas vraiment. Non, non, ça, j'en veux pas. Ouais, on va avouer qu'on sait pas trop s'il est à l'extérieur ou à l'intérieur. Pense plutôt à l'intérieur. Allez, on ressort. Ouais, commence à avoir une petite faim. Ouais, bon, on va manger ça, c'est pas grave, hein. C'est de la nourriture, on va dire. C'est vrai que j'aurais pu rentrer le véhicule dans le garage, mais bon, ça va faire du bruit et ça va attirer des zombies. Peut-être plutôt rester comme ça, c'est pas grave. Allez, dépêche-toi. Que je prends un fauteuil comme ça, mais il me semble qu'ici il y a ah, oui, un fauteuil comme ça. C'est bien ça. On va prendre ça. Allez, on ferme la porte là, en sécurité quand même. Allez. Mets-toi là. On va accélérer un petit peu le temps. Histoire que la fatigue arrive. Ah oui.
Ouais, Redek, d'être en mode panique. Parfait. Alors, allez, on va aller voir ce qu'on peut trouver. Dans les boutiques juste à côté. Alors attention. Les zombies ont dû bouger pendant la nuit. Là. Est-ce que la porte va être ouverte? Ça. Pas sûr du tout. Et eh ben si, impeccable. Alors attention, ici, petit restaurant. Ok. Ah, mais ça, c'est des petites gourmandises. Ah, mais ça, elle adore. C'est son petit péché mignon. Wow, il y en a plein même. Ah là, il se fait plaisir. D'ailleurs, elle va en manger. C'est carrément top. Allez. Ici, il n'y a rien. Cornichon. Ça, c'est fondu. Ça, de même. On pourra le recongeler, je pense. On repart par là, on va peut-être fermer la porte quand même. Pas se retrouver encerclé. Ah, cette fois c'est fermé. Ah oui, il y a quand même de la distance, en effet. Alors ici nous avons une réserve. Casque de hockey. On peut prendre hein. Si jamais je perds, ouais, bon, je peux tout prendre non plus. Moi, ouais, ils ont pas, ils font pas non plus beaucoup de dégâts, donc ils doivent être relativement fragiles. À la paillée fait pas mal de dégâts. Ah, par contre ça. Je prends volontiers. Ça aussi. Alors, fais attention, on doit être dans un magasin de sport. Tout à fait. J'en ai beaucoup. Ok. Bon. Un petit peu moins intéressant ici, on va dire. Ah si, j'ai rien dit. Ça, je prends. Il ne peut plus prendre d'ailleurs. Madame, c'est fermé.
Ah non, mais c'est fermé, hein. Il est 8h. Bon, ok, d'accord. Voilà. Bien, alors vu la longueur du bâtiment, je crois que je vais avancer le véhicule. Bon. Je crois que j'ai fait plein de battes de baseball. C'est pas pour me déplaire. Une arme plutôt efficace. On fait quand même attention. Pour le moment, Sarah est plutôt satisfaite de ses trouvailles. Allez, pêche-toi. On va avancer un peu de véhicule. Ça risque de faire du bruit, mais bon. Pour gagner du temps. Alors, on y retourne. Allez. On avait encore des battes de baseball à récupérer. Ça aurait été jamais vu dans ce magasin. Il a fallu attendre que les zombies envahissent le monde pour qu'elle y vienne. Pas mal. Batte de baseball, c'est bien. Moi, je dis pas non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non. On va quand même vider tout de suite. 22 kg sur 27. Dépêche-toi. Il reste un endroit qui n'est pas visité et je pense que Sarah va être obligée de démonter la porte. Je n'ai jamais rassuré qu'on a fait comme ça les transferts, le dos tourné. Alors c'était ici, je crois. Non, ici c'est bon, c'est la porte. Non, c'est la porte juste ici. Et on va démonter la porte. Prêt à courir. C'est ici qui frappe. Ok. La porte risque de ne pas tenir très longtemps. On se dépêche. En tout cas, on a des meubles à récupérer. Bon, ça je vais pas prendre une sauce.
Bon, de toute façon, c'est sûr qu'on va se les faire, ceux-là. Où est-ce que ça tape? Je crois que c'est ici. Ouais, c'est juste là. Ça serait quand même ennuyeux d'avoir leur zombie sur le dos. Restons prudents. Par contre, là, la complexité du bâtiment. Je vais peut-être pas non plus forcer le destin. Quoique. Allez, prends tout ça. Prends le risque de venir jusque là. Ah, c'était sûr. Là, ils ont compris. Donc, une fois deux. Attendez. Voilà. Fais attention. Avec ton expérience, tu devrais plus faire d'erreurs comme ça, moi. Bien, on en a un autre ici. Enfin, on essaye de prendre les dernières provisions. Ouais, il va arriver. Ah, je pense que ça doit être le patron de ce restaurant, vu la tenue. Ou peut-être le marchand de bonbons. Bon, en tout cas, ça tape pas mal. C'est un petit peu inquiétant, ils font du bruit. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et regarde derrière toi, là, il y a un réel risque. Ah, on a surtout récupéré de la nourriture pourrie pour bien remplir le compost. Allez, donc il doit me rester. On va encore à visiter. Ah, porte encore. Close. C'est toujours un petit peu dangereux ça, évidemment. Dépêche-toi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Pourquoi pas? Ah, des livres. Ok, il va falloir que je fasse une mise, je pense. Ouais, parce que là, j'ai aucune idée de ce que j'ai. Là, je pense que ça va arriver. Je vais plutôt rester vers l'extérieur parce que c'est une pièce relativement bien remplie, donc une liberté de mouvement beaucoup plus faible. Ah ouais. Bâtiment suivant. Toujours fermé. Ah, par contre cette porte là, je peux pas l'ouvrir.
un petit peu embêtant. Pareil. Je pense qu'il va falloir prendre le risque de passer devant. Mais on arrive au bout. On arrive dans une réserve, un marteau, pelle, plateau métal, je vais prendre. Ah, d'accord, je m'attendais à un magasin de bricolage, mais non, finalement. Ok, pas spécialement intéressant. Quand même peut-être récupérer un petit peu de charnière. Alors là, c'est ouvert, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah mais ça continue par là. Ok. Ah bah voilà. Moi qui en voulais d'autres comme ça. Ah, les meubles aussi m'intéressent. Toilette ici. T'inquiète, je t'avais vu. Bon, le temps qu'on casse. Bon, moi j'ai rien dit. C'est fait. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Voilà. Bon, j'ai envie de dire, c'est loupé, mais. Il n'y a pas que elle qui loupe. Voilà, parfait. Une clé avec un petit peu de chance. Qu'est-ce qu'on a par là? Ouais, je pense qu'il va falloir revenir. Parce que là, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore d'autres boutique par ici. Alors, on va peut-être avancer le camion. Alors, on fait attention. Voilà, on pourrait peut-être trouver rien. On va trouver quelques meubles, c'est bien. Donc ici, oui, on y avait été. Ouais, je sais plus. On y avait été ici. Non, il n'y a pas été. C'est pas la porte qui était fermée, ça? Bah si. Bizarre. Il me semblait avoir essayé. Bon. On va pas chercher, hein. On y retourne. Pour le coup, on va avoir des meubles à récupérer. On vide, on récupère. L'avantage, c'est qu'on peut les récupérer par trois. C'est parfait. Alors, on fait quand même attention parce que là, je vais avoir fait du bruit.
contre, je risque de remplir le camion rapidement. Alors, qu'avons-nous ici? Des cigarettes, ça m'intéresse. Ruban adhésif. Bon, ça répare pas grand-chose, mais ça répare un petit peu. Bon, on va prendre quand même. Ouais, ça c'est pourri. Pourri. Je sais, je serais pas contre quelques petites conserves. Non, bon. Je vais prendre un calepin, enfin des notes, que je vais mettre ici. Hop, je vais noter dessus tous les livres que j'ai et tout ce qu'il me faut. Je ne reviendrai pas ici, hein, de toute façon il y a une boutique un petit peu plus haut. Dans Westphone, donc... Oh mince, oui, je suis un petit peu chargé, on va pas faire deux fois la même erreur. Encore l'immeuble à récupérer. Allez là, ça, je vais pouvoir compléter encore mon bâtiment. C'est parfait. L'angle, elle aime le casser, à tous les coups. Là voilà, comme d'hab. Ah non, pas comme d'hab, c'est pas vrai. Elle en a quand même récupéré un peu. Pièce au fond, on va bien aller voir ce que c'est, peut-être un accès aux autres bâtiments, surtout pas cette porte. Mais non, c'est juste une petite réserve. Ouais, ça je prends. Hop, voilà. Allez. Je vais prendre le risque de faire une sortie. En effet, c'est quand même relativement vaste. Ouais, c'est un magasin pour enfants. On va dire qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant ici. Bon, c'est plutôt limité, on va dire. Freddy le renard, elle ne l'a pas celle-là je crois. C'est pas ici. Et je t'avais vu hein. Ouais. Fais attention. Ça part d'être pourri, ça. C'est très bien, là. Allez, prends ça. Là, par contre, j'ai trop envie de me coincer ici. Faire combattre à l'extérieur. Un qui veut venir ici. Je toi, amène-toi.
suivant. Mais j'ai pas mal de prendre. Ah, on a un bijoutier à côté. Parfait. Allez, suivant, on enchaîne. Allez, on va finir ce bâtiment, on va rentrer à la base. Très bien, on porte de la nourriture comestible, donc ça c'est génial. Enfin, pas partout apparemment. Bon, la vache, on va pouvoir la recongeler. Il n'y a pas marqué que c'est pas c'est plus comestible, donc on peut recongeler. Et le sucre pour papa. Je suis pas sûr, mais le sucre, il me semble qu'il en faut pour les conserves. Il me faut aussi du vinaigre. Et on n'en trouve plus beaucoup du vinaigre. Alors qu'avant, on en trouvait beaucoup. À moins que c'est échangé, peut-être. J'ai pas revérifié. Bon, oh, c'est pareil, de la glace, elle va en avoir. Voilà, l'inventaire va être presque plein. Oh, ça va être chaud. Ça va être très très chaud même, et limite. Encore de la glace. Non, tu veux pas ouvrir celui-ci? Bon, finalement c'est bon. Allez, on va retourner à la base. Il n'y a pas marqué que c'est que ce n'est plus comestible, donc on y va. Voilà, parfait. Allez, on se dépêche. Alors, donc j'ai pas encore tout visité, il va falloir revenir. Allez. Allez, si tu gardes le plus long pour la fin. Allez, on va retourner à la base. Ça va faire du bien. Et surtout aussi qu'il faut contrôler le générateur. Bon, cette maîtrise de la marche arrière. Voilà, encore beaucoup de choses à visiter, je pense. Allez, on slalom, oh les UIP. Bon, voilà, on va pas dû arrêter le moteur.
fait du bien d'être chez soi. Mince. 21%. Ouais, donc il nous reste encore un petit peu. Bon, bah écoutez, c'est sur cette petite expédition plutôt sympa que la vidéo va prendre fin, pardon. On n'a pas fini le bâtiment, on va donc y retourner et puis on va continuer à faire notre visite de la partie extension de West Point. Donc, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, puis moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut!